J'interviens en cette fin de semaine pour faire avec vous un point sur la campagne de dons de TV Liberté et vous dire simplement que notre inquiétude grandit toujours. La baisse, non pas du nombre, mais de la valeur des dons à TV Liberté compromet concrètement notre budget pour 2022, année qui s'annonce pourtant cruciale. L'argent donné par la communauté des donateurs nous offre l'indépendance et la liberté, le mordant et la ténacité, et je le crois, le professionnalisme. Alors, ce n'est pas au moment où le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays et notre peuple qu'il faut réduire la voilure, l'ampleur de la riposte. Nous avons donc besoin de la mobilisation accrue, significative, déterminante de nos téléspectateurs qui doivent bien comprendre que la liberté a un prix. Il nous faut compter sur la mobilisation de tous pour redresser la barre. Alors ce vendredi, mais aussi samedi et dimanche, je compte sur vous. Faites de TV Liberté le fer de lance de vos idées. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord discuter avec l'abbé Michel Viaud des suites du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Et ensuite, comme je le fais de temps en temps, je vous proposerai quelques pistes de lecture, notamment à la veille de ces vacances de Noël qui arrivent. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir un habitué de cette émission, l'abbé Michel Viaud. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Nous allons parler d'un sujet qui est un peu un feuilleton dans cette émission, qui est le rapport Sauvé et ses suites. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a été sonné par la triste, sordide, terrible révélation des abus sexuels dans l'Église, qu'on connaissait partiellement, mais évidemment ce rapport nous a mis une bonne claque, qui est très bon par ailleurs, mais beaucoup de choses se posent maintenant, beaucoup de questions se posent. La première, c'est en gros, ce que les gens ont retenu du rapport Sauvé, c'est deux choses, le chiffre 330 000 victimes et le fait que l'Église soit collectivement ou systémiquement responsable. Avec toutes les guillemets que vous voudrez bien entendre, chers téléspectateurs. Donc, personnellement, je crois que les chiffres sont sortis du chapeau et que la responsabilité systémique est une monstruosité juridique. Et évidemment, en découle toute une série de questions sur la spoliation possible des fidèles qui ont donné leur patrimoine ou leur argent pour qui faire célébrer les messes, qui ouvrir une maison de retraite pour les prêtres, qui une œuvre pie de quelque nature qu'elle soit, universitaire, hospitalière, ce que vous voudrez, monastique. Et donc, ils l'ont donné pour un objectif précis, cultuel, de charité, certainement pas pour exonérer de leur responsabilité des prédateurs sexuels. Et donc, aujourd'hui, se pose la question de... Un, ce que nous faisons du rapport Sauvé, et deux, ce que nous faisons surtout des conséquences du rapport Sauvé. Mais monsieur l'abbé, je ne voudrais pas parler à votre place, non, évidemment. Je pense que vous avez eu raison, j'ai dit tout de suite de parler de spoliation, je rebondis là-dessus, ça ne fera jamais que la troisième.
Hein, puisque une fois 1789, mm-hmm. ensuite nationalisation, voilà 1905, ouais. et puis il y aurait celle-ci. Y aurait 2000. Mais alors celle-ci, elle aurait une particularité, c'est que dans les deux premiers cas, la spoliation a été faite par les ennemis de l'Église, et là, ce serait fait par des par gens qui elle-même. Sont par l'Église elle-même, qui se ferait harakiri. C'est ça. Hein, c'est ça s'appelle harakiri. Absolument. Bon. Mais auparavant, on va revenir à la source. Et revenir au rapport sauvé. D'ailleurs, le fait qu'on en parle montre qu'on le prend au sérieux. Absolument. Et que, absolument. D'abord, la démarche est sérieuse. Et c'est vrai, le Saint-Père a eu raison de remercier les évêques de France d'avoir... Du courage d'affronter la vérité. Oui. Voilà. Alors, ce rapport, évidemment, c'est un très grand rapport. Il faut quand même que nos téléspectateurs sachent que, déjà, ça a quand même grevé un peu le budget de l'Église, puisque c'est 3 milliards 500 millions... 3 millions. Ça. 3 millions, pardon, 3 millions. C'est déjà beaucoup. Je suis fâché avec les chiffres, c'est pour ça que je regarderai tout à l'heure. Pour vous donner quelques chiffres, ce que j'ai sous les yeux. Oui, c'est 3 500 000... Le budget de la Commission. Le budget de la Commission, ce qui est tout de même... Assez énorme, 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 énorme. Alors, moyennant quoi, peut-être juste pour finir sur ce point-là, je pense que ce rapport était nécessaire pour qu'on ait le courage de regarder la réalité en face. De fait, pendant des décennies, on a été extraordinairement complaisant, pas l'Église, mais beaucoup de gens dans l'Église et à l'extérieur d'ailleurs, parce que je rappelle quand même qu'à l'époque, il y avait des pétitions dans Libération et dans Le Monde en faveur de la dépénalisation de la pédophilie. Et donc, ces personnes-là sont pas forcément les mieux placées pour nous donner des leçons de morale. Fin de la parenthèse. Mais donc, évidemment, il faut regarder en face le fait qu'il y a eu des actes de prédateurs sexuels dans l'Église, qu'il y a eu aussi une complicité de leurs supérieurs ou de leurs confrères qui ont parfois pudiquement mis ça sous le tapis, déplacé les gens. Et donc, ce n'était pas du tout la bonne façon de traiter le problème, ça c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que Benoît XVI s'est sérieusement attaqué au problème. Ah, tout à fait. Et même avant d'être Benoît XVI. Absolument, absolument. Le cardinal Ratzinger a commencé sous Jean-Paul II. 1995. Absolument. Et donc, depuis en tout cas, disons 20 ou 30 ans, le code de droit canonique recommence à être appliqué. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était une surveillance archaïque, mais il revient au devant de la scène. Et donc, il faut aussi distinguer les périodes. Hein. C'est pas la même chose les années 70 et les années 2020. C'est la première reproche qu'on peut faire à ce rapport. C'est d'avoir, et vous allez voir pourquoi c'est un reproche, pas seulement comme ça, sur l'air du temps, mais qui touche même, je dirais, à la méthode employée. Je sais pas, dite des sondages. Absolument. Et avec les multiplicateurs. Car on ne peut pas appliquer les mêmes multiplicateurs aux années qui vont de 50 à 80 absolument. Et à celles qui vont de 2000 à 2020. Absolument. Avec absolument. Une période, disons, de flou entre les deux. Absolument. Bon, ceci est un premier point. Alors, pourquoi je parle de multiplicateurs? Alors, ce que les gens ont retenu, et d'abord, c'est pour ça que le rapport Sauvé a été commandé par la conférence épiscopale. Personnellement, c'est une opinion personnelle, moi je pense qu'il fallait le remettre en réunion d'évêques, absolument. Sans la presse, absolument. De manière à ce que ce soit vraiment collégialement que les évêques le reçoivent en priorité, absolument. Et qu'ensuite... Et décident ce qui serait public et ce qui ne le serait pas. Bon, moi vous savez, à la limite, j'aurais mis tout public, mais du moment qu'on puisse faire des commentaires. Moi je n'ai peur de rien, il n'y a rien à cacher. Non, c'est clair, mais quand vous remettez un rapport à un ministre, c'est le ministre qui décide la publication. Et quand vous remettez un rapport à un évêque, c'est à l'évêque de décider. Oui, mais là, on pouvait, vu les scandales publics, moi j'aurais été pour qu'on diffuse tout, puisqu'on avait joué le jeu de l'indépendance, mais à condition d'expliquer. Voilà. Je suis d'autre avis. Hein, voilà. Alors, on a donné deux grands chiffres, 330 000 pour des gens qui sont des victimes de l'Église catholique au travers de ses ministres ou de ses laïcs au travers des écoles, et pour ce qui vient des religieux, c'est-à-dire des prêtres, des diacres ou des religieux ou des religieuses, eh bien, c'est seulement... 216 000. Enfin, quand je disais seulement, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Donc, voilà. Bon. Alors, tout ça... Par de quoi? Eh bien, d'une enquête faite par la commission Sauvé, hein, qui a réclamé des témoignages, qui réclame des témoignages et qui donc
récupère à peu près 3000 réponses. Il y a 118 personnes, 118, qui se déclarent avoir été abusées par un prêtre, et 53 par un laïc, et ce, alors qu'elles étaient toutes mineures. Mm-hmm. Ceci entre 1950 et 2020. Et alors, ces deux chiffres, ils viennent d'où ? D'une enquête de l'IFOP, exploitant 28 010 réponses, issues d'un panel d'environ 240 000 profils. Alors, il faut expliquer ce qu'on appelle un panel, parce que l'IFOP s'adresse à des sociétés de sondage qui dressent des profils de gens à partir de leur sexe, de leur profession, de leur entourage. Des gens qui sont plus ou moins représentatifs de la société française. Voilà, elle a reçu un nombre d'ailleurs anormalement élevé de témoignages. D'habitude, les sondages se font à peu près à partir de 1000 personnes. Mais là, c'est 28 000. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on peut prendre... Mais c'est 28 000 autodéclaratifs. Hein. C'est pas l'IFOP qui a décidé d'interroger cette personne-là. C'est les personnes qui ont dit, si j'ai bien compris, c'est les personnes qui ont dit à l'IFOP, nous sommes témoins volontiers de cette situation. Voilà. Et ces personnes, elles ont dit quoi ? Elles ont dit qu'elles avaient été ou témoins ou qu'elles étaient victimes. Mais il n'y a pas eu de débat contradictoire. Pour savoir si c'était vrai. Absolument. Donc, absolument. Ça vient de leur déclaration. Donc, voyez-vous déjà, en admettant la justesse des projections, on aurait dû dire, il y a 330 000 personnes qui sont susceptibles d'avoir été... Parce qu'il y en a qui sont morts, hein, en 1950. Quelqu'un qui a été abusé dans les années 50 et qui avait, je ne sais pas, 12 ou 13 ans, peut très bien être mort aujourd'hui. Il y a 330 000 personnes qui disent avoir été abusées par des gens qui relevaient de l'Église catholique et 216 000 par des prêtres qui disent exactement la même chose. Mais nous n'avons pas la preuve que cela est possible. Alors, tout ça est parti, je le répète, de 118 personnes et de 53, de 118 qui accusaient donc des prêtres et de 53 qui accusaient des professeurs d'école religieuse. C'est vrai que, alors, vous avez eu raison de souligner qu'on peut considérer qu'au moins les chiffres de 118 et de 53 sont justes, puisqu'on a fourni 28 000 témoignages, entre guillemets, alors que généralement on se base sur 1200. Donc là, effectivement, c'est tout à fait irréprochable. Mais alors, c'est le mystère. Comment est-on passé à 330 000 et à 216 000 Surtout, cher monsieur Labbé, je vous interromps une seconde, surtout que la dernière déclaration publique de monsieur Sauvé avant la conférence de presse qui remet le rapport, c'est qu'il est à 10 000 victimes. Et en 6 mois, donc on est en mars dernier, en 6 mois, il passe de 10 000 à 330 000. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le même ordre de grandeur. Donc, moi, ce que je crois, c'est que pour beaucoup de gens, 10 000, ça n'était pas assez significatif. C'est monstrueux de parler comme ça, mais je pense qu'il y avait une question médiatique derrière. Et donc, pour avoir des chiffres plus importants, on a utilisé la méthode des sondages, qui ne manque pas d'intérêt, mais qui est extraordinairement lacunaire. Par ailleurs, on a soigneusement gommé, dans le rapport Sauvé lui-même, une analyse, l'Académie catholique en a beaucoup parlé, une analyse de l'EPHE, l'École pratique des hautes études, qualitative, qui est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il, à titre individuel. Hein. Évidemment, je ne suis pas un évêque et je parle en mon nom personnel, mais personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus probant ce que l'EPHE avait fait sur le profil des victimes, le profil des prédateurs, etc. Ça, c'est réellement instructif parce que nous pouvons en tirer des conséquences sur qui nous devons sortir des séminaires. Parce que le cœur du sujet, c'est la suite. C'est la suite. Parce que, alors, c'est vrai, parce que dans le rapport Sauvé, on parle des abus sexuels, mais on ne fait pas la différence entre les viols, les attouchements. Absolument. Bon, alors, vous allez me dire, c'est affreux dans tous les cas. Oui, mais ce n'est pas la même chose quand même. Absolument. D'ailleurs, la loi elle-même fait la distinction. Hein. C'est clair. La loi civile fait la distinction. Bon, alors, là, il y a quand même tout de même, je dirais, un problème. Et alors, en plus, voyez-vous, c'est là qu'on voit tout de même que c'est vraiment un problème, parce que quand on arrive, c'est une règle de trois,
hein, qu'ils ont appliqué. Ils ont divisé le nombre de déclarations par le nombre total de réponses et on a multiplié par le nombre de la population, de gens qui avaient plus de 18 ans en 2020. Et si vous faites ça, alors vous arrivez seulement à 287 000 victimes, qui correspond au chiffre le plus haut, c'est-à-dire 330 000. C'est-à-dire qu'on a estimé que ça ne correspondait pas encore. C'est parce plus ou moins que, 50 000 oui, la fourchette. Oui, oui, mais ce qui montre bien que pour ça, on a admis que dans le multiplicateur, il fallait tenir compte de l'époque. Absolument. Et puis de l'époque. Absolument. Et alors là, tout d'un coup, on en tient compte, mais pour évidemment augmenter. Bon. Alors cher monsieur Lambert, on va peut-être... je pense que tous les auditeurs ont compris les réserves que vous aviez, que j'ai aussi sur les chiffres, mais je pense qu'il faut parler surtout de la suite, parce que la suite est... probablement plus importante. Ah ben bien sûr. Il y a deux choses dans la suite du rapport Sauvé. La première chose, c'est les préconisations de la Commission, dont certaines sont violemment attentatoires à la nature divine de l'Église. Et une autre partie, c'est l'indemnisation des victimes. Et là aussi, je pense que c'est violemment attentatoire à la justice, cette fois-ci, pas à la nature de l'Église, mais à la justice, parce que concrètement, ce que je crois comprendre, c'est que les innocents paieraient pour les coupables. Mmh. Et donc, ce que je vous propose, c'est répondre dans l'ordre que vous voulez aux deux questions, les préconisations du rapport Sauvé et la spoliation possible de l'Église de France. – Alors, les préconisations vont bien au-delà de ce qui avait été demandé à la Commission. – Ça m'a eu pas échappé. – Bon, parce que déjà, quand on se permet de faire de l'exégèse de textes bibliques, ça n'avait pas été demandé. D'ailleurs, en plus, ils auraient pu se passer de faire ça parce que vraiment, c'est pas une exégèse. Ils sont pas très brillants. Que moi, j'aurais payé à ce prix-là, en tout cas. Là aussi, les 8 académiciens de l'Académie Cantelieu qui ont critiqué le rapport ont très bien réagi. Leurs critiques sur l'exégèse sont parfaitement fondées. Ça fait sourire. Ça ferait sourire si c'était drôle. Oui, mais c'est pas drôle. Absolument. Moi, ça me fait pas du tout sourire. Non, c'est pas drôle. Puis il y a d'autres choses qui ont été avancées. Aussi ce plan d'exégèse absolument. Pour justifier telle ou telle attitude. Absolument. Se servir comme ça du Nouveau Testament, de l'Écriture. Absolument. D'une théologie complètement datée, de beaucoup de choses qui sont très. Bon, et alors, et finalement, on voit que c'est surtout ça, pour être clair et net, les recommandations relèvent d'une ecclésiologie, d'une doctrine de l'Église. Dont on aurait rêvé certains révolutionnaires au moment de Vatican II, absolument. Qui fort heureusement n'est pas passé, parce que Paul VI veille au grain, hein, et qu'on voit périodiquement ressortir c'est l'esprit un petit peu de témoignages chrétiens, de tous ces la conférence des baptisés de France. Bien entendu. Bon, avec cette idée que les évêques devraient être élus par les laïcs et qu'il devrait y avoir des femmes. Et que... Mais oui, ben vous, oui, et puis on voit aussi, il y a le vieux serpent de mer du conciliarisme, j'ai encore entendu en 62 quand j'ai commencé mes études, puisqu'en 63, le pape Jean XXIII est mort, et j'ai entendu, je m'en souviens, ça, parce que ça nous avait frappé, nous protestants, c'est que beaucoup de théologiens catholiques, parce que là, on se rencontrait beaucoup je à ce moment-là. Je rappelle pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas que l'abbé Viau, avant d'être prêtre catholique, a été luthérien. Ben heureusement pour moi, parce que je ne sais pas si je serais resté dans l'Église, vous savez, vu ce qu'était l'Église catholique à cette époque-là. C'est vrai. Bon, et alors justement, il voulait faire élire par le pape, par le concile. Bah tiens. Voilà. Ouais, vieux fantasme du conciliarisme. Mais c'est pas, voilà. C'est qui, pas nous. Qui a toujours été d'ailleurs le pouvoir des puissants. On fait semblant de l'oublier, mais c'est pas du tout démocratique, le conciliarisme. C'est les rois qui décident. Non, bien entendu, c'est la raison pour laquelle, finalement, les papes s'y sont toujours opposés. Bien sûr, hein. Et le dernier roi qui a essayé, c'est Louis XIV. Oui, en 1682. La déclaration du clergé. Oui, avec la déclaration du clergé, ça a coûté à Bossuet son chapeau de cardinal. Hein. Bon, voilà. C'est dommage, il aurait mérité autrement. L'argent. Mais écoutez, il va être prudent. Bon, alors voilà, c'était... Et puis oser toucher au secret de la confession, parler d'aménagement du secret de la confession, c'est honteux. Ça touche à Il y a eu un mot malheureux, mais je comprends Monseigneur Moulin Beaufort, quand il s'est exprimé, il était fatigué, puis bon. Mais bon, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas toucher au secret de la confession. Il avait raison. Bon. Là, le vocabulaire employé par rapport à la loi de la République, évidemment, n'était pas le bon vocabulaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu d'opposition entre la loi de la République et le secret de la confession. Absolument. Depuis 1905, qu'il y a cette loi de séparation, jamais.
Parce que l'État a toujours considéré que ça relevait du secret professionnel. Absolument. Et qu'à ce secret professionnel-là, on ne peut pas toucher, alors quelquefois on peut toucher à d'autres secrets professionnels. Mais là, on n'y a jamais touché. Absolument. Parce qu'au fond, l'État, qui avait le souci tout de même de l'ordre public, s'est rendu compte que, qu'il croit ou non à l'absolution des péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, au fond, il s'en fiche complètement, mais c'est un facteur d'ordre. Absolument. Hein? Et par conséquent, c'est autant qu'à moi à rembourser au psy. Et, ah ben oui, et accessoirement, on ne voit pas très bien comment ça pourrait aider à lutter contre les abus sexuels, parce que de deux choses l'une, soit le secret de la confession est maintenu, et dans ces cas-là, on peut imaginer que certains prédateurs aillent se confesser et que leurs confesseurs leur disent comment réparer. Oui. Parce que la confession, c'est pas non plus, c'est pas magique. Hein. Non, c'est pas dramatique. Et donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on dit le secret de la confession n'existe plus. Vous croyez que les prédateurs iront se confesser dans ces confessions? Mais non. Bah, et puis, entre nous, soit dit aussi. Alors, mon âge me permet quand même de le dire, parce que j'ai quand même été témoin, de par ma responsabilité, d'un certain nombre de cas de ce genre. Mais c'est jamais par le secret de la confession où on apprend les choses. Absolument pas. Évidemment. C'est la rumeur publique. Évidemment. C'est la rumeur publique ou des dénonciations. Évidemment. Des enfants qui ont un comportement pas normal, les parents qui les. Et puis voilà. Mais le secret de la confession n'a rien à voir avec les histoires de pédophilie. Évidemment. Absolument rien. Évidemment. Bon. Alors maintenant, la question évidemment de l'indemnisation. Voilà. Venons-en. Alors écoutez, moi je dirais il y a des lois en France. Et on ne peut payer de dommages et intérêts qu'à la suite d'un jugement pénal et au civil. Absolument. Bon. Absolument. Et je pense qu'il eût été sage de s'en tenir à cela. Mais on peut toujours y revenir. Ouais. Moi, je crois que c'est la seule solution pour s'en sortir. Bah, c'est la solution. De toute façon, nous ne sommes plus du tout équipés pour cela. Absolument. Je vois avec vous notre archevêque. Émérite. Et à l'époque, franchement, je me suis trompé parce que j'avais pas compris sa démarche. Dès 2018, il a décidé d'envoyer tous les dossiers de plainte au procureur. Bon, il en envoyait à peu près 25. Oui. Savez-vous combien tiennent et sont instruits seulement? 3. C'est ce que j'ai entendu. 3. Bon, alors. Hein, 3 sur lesquels il y a une enquête, ça veut pas dire qu'ils sont coupables. Oui, plus, bien sûr, ça veut pas dire qu'ils sont coupables. Il y a une enquête. Les autres ont été rejetés comme tout à fait fantaisistes. Bon. Alors, ça, c'est déjà un premier point. Alors, je me demande par quelle opération du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit daigne, va éclairer la commission présidée par Madame Dorin de Vaucresson pour décider des indemnités au nom de sans jugement contradictoire, sans débat contradictoire. Sans débat contradictoire. Bon, ça, c'est quand même un problème. Oui. C'est une injustice effrayante, parce que ça veut dire que les innocents vont devoir payer au nom des coupables que Madame Dorin de Vaucresson aura désigné comme coupable. Parce qu'en plus, on ne saura même pas s'ils sont coupables ou pas. Voilà. Alors, ce qui m'embête aussi, je l'ai dit... Je le dis sans méchanceté, je le redirai peut-être même en face à M. Sauvé, c'est que dans tous ces groupes-là, c'est des gens de la même chapelle. Hein? C'est-à-dire, c'est le catholicisme de gauche, mm-hmm. Mais il existe dans l'Église catholique, moi je veux bien qu'il existe, et qu'il soit dans des instances, pourquoi pas, puisqu'ils sont là. Bien sûr. Mais ils n'ont pas le monopole. Hein? Ils n'ont pas le monopole. Or, Madame Dorin de Vaucresson, quand même, elle n'est pas quand même complètement neutre non plus, puisque dans les lois de bioéthique, tout de même, elle c'est a quand même fait partie oui, du cabinet de Madame Rossignol, qui était une grande promoteuse de l'avortement, mm-hmm. Hein, et qui voulait attaquer même les gens qui s'opposaient à l'avortement. Et qui continuait à vouloir, qui voulait traîner devant les tribunaux. Elle aussi, elle a lancé l'avortement à 14 semaines, qui maintenant est passé. Et là, vous remarquerez qu'aucune voix épiscopale ne s'est élevée, parce qu'on était en plein bourbier. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que voulaient aussi un petit peu nos adversaires, je pense. Bon. C'est clair. Alors ça, voyez-vous, vraiment là, il y a un problème au niveau de cette commission d'indemnisation. Alors maintenant, vis-à-vis de la loi de séparation des Églises et de l'État. Bon. Oui. Alors là, il faut bien voir que c'est atrocement compliqué. Parce qu'il y a non seulement la loi qui a été votée en 1905 et retouchée en 1924 pour les diocésaines, mais ça ne remet pas en cause le principe que ces associations diocésaines ont été faites pour le culte, que tout ce qui est dépend de leurs ressources ou de leurs dépenses est lié au fonctionnement du culte au sens large. Absolument. Au sens large, bien entendu. Hein. Ça peut aussi inclure des réparations... des édifices cultuels. Des édifices cultuels, bien entendu. Voilà, bon. Mais en aucun cas de payer des dommages et intérêts. Et, voilà. Et d'autant plus que je crois... Enfin, moi, je trouve que avoir tout de suite cette réponse
de l'argent pour réparer des choses pareilles, ça a quelque chose d'indigne. Hein, ça fait comme si on achetait le silence. Voilà, vous, on va vous donner des sous, puis vous nous fichez la paix. Mmh. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ça peut marcher comme ça, sans que ce soit indigne, parce que c'est une autre culture. C'est pas notre culture. C'est pas du tout notre culture. Et je pense que c'était la question de soins pastoraux, d'écoute. Ces gens-là ont manqué d'écoute. J'imagine bien, quand on voit à l'heure actuelle, ça existe toujours, vous savez, la morgue ecclésiastique. Il n'y a rien de pire que le prêtre ou l'évêque qui ne veut pas entendre. Hein, et qui, de sa superbe, voilà, ou il est trop occupé, ou... Bon, mais les gens qui ont subi ça, ils ont besoin de sentir qu'il y a une conversion des cœurs de la part des membres du clergé. Absolument. Et c'est pas la signature d'un chèque qui va leur montrer qu'il y a la conversion des cœurs. Je suis de votre avis. Cher monsieur l'abbé, on va s'arrêter là, parce qu'on arrive au bout de cette émission, hélas, mais de toute façon, encore une fois, c'est un feuilleton, on n'a pas du tout fini de parler de cette histoire, d'abord, de nouveaux développements se passent tous les jours. Oui, il y en aura. Mais par ailleurs, il faut aussi le temps de comprendre, on a été d'abord sonné, puis on a réagi, puis etc. Il faut le temps de comprendre et de réagir. Donc, et il faut que les laïcs s'organisent, surtout. Absolument. Il faut que nos frères catholiques s'organisent en association, éventuellement. Et vous avez vu que dans la croix, il y avait, pour une fois, ils ont publié quelque chose de bien et d'utile à l'Église. C'est le nom de juristes qui, bénévolement, vont se mettre au service des gens qui vont vouloir défendre les biens de l'Église. Il ne s'agit pas de défendre nos sous, il s'agit de défendre des possibilités d'aider les pauvres, d'aider les plus nécessiteux et d'aider à prêcher l'Évangile. C'est-à-dire de ne pas avoir une morale de syndic de faillite, on liquide, hein, on veut continuer à vivre. Absolument. Et on veut évangéliser. On veut évangéliser. On veut répandre le message du Christ dans la société française. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, et à très bientôt pour continuer cette discussion. Retour sur le plateau de Terre de Mission, et comme je le fais régulièrement en ces temps de confinement, de lockdown, de couvre-feu, de tout ce que vous voudrez, du même acabit dans ces temps de crise sanitaire, je vous propose quelques pistes de lecture, d'autant qu'on arrive aux vacances de Noël et que c'est une bonne occasion pour lire. Alors, je vous propose deux livres aujourd'hui. On va probablement discuter avec les auteurs dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Mais en attendant, je vous propose de les découvrir. Le premier livre, c'est un livre de Marion Duvauchel, qui est une philosophe, et qui vient de publier un Saint Thomas apôtre de l'Eurasie aux éditions Docteur Angélique, sous-titré Géopolitique du 1er siècle, ce qui est charmant comme sous-titre. Saint Thomas, évidemment, c'est Saint Thomas l'apôtre, hein, c'est le Saint Thomas que nous connaissons pour le fait qu'il ait refusé de croire sans voir. Vous vous souvenez, c'est celui qui a mis son doigt dans le côté du Christ après la résurrection. Et Saint Thomas est connu notamment pour avoir évangélisé l'Inde. Aujourd'hui encore, l'Inde se dit chrétienté de Saint Thomas. Mais il est probable qu'il était beaucoup plus loin, qu'il était jusqu'en Chine. En tout cas, beaucoup de sources archéologiques le laissent supposer. Alors, soit lui, soit des disciples. En tout cas, il a beaucoup contribué à évangéliser cette partie du monde. Quand les autres apôtres partaient dans le sens du bassin méditerranéen, c'est-à-dire vers l'ouest pour eux, Saint Thomas était vers l'est. Et il est l'un des responsables du fait que en Inde, en Chine probablement, il y ait des très anciennes chrétientés d'origine apostolique. C'est quand même très émouvant. Voilà. Marion Duvauchel, Saint Thomas, apôtre de l'Eurasie, Docteur Angélique, c'est un livre qui coûte 13 euros et qui fait 125 pages. Et puis deuxième ouvrage que je vous propose, là aussi je pense qu'on rencontrera prochainement l'auteur, c'est Alex Deschênes, qui est un auteur québécois, je crois, enfin canadien en tout cas, qui vient de publier un livre de vulgarisation sur la théologie du corps qui s'appelle « Tu et don » aux éditions Artege. C'est sous-titré « La théologie du corps pour les jeunes ». Vous savez sans doute tous, amis téléspectateurs, ce qu'est la théologie du corps. Hein. C'est ce pan impressionnant de l'enseignement de Jean-Paul II dès le début des années 80, qui était une relecture de l'encyclique « Humanae Vitae » de Paul VI sur le côté organique, hein, le fait que dans un acte conjugal, il y ait la dimension féconde, l'ouverture à la vie et la dimension d'union des époux. Jean-Paul II a très magistralement développé ça dans un pan de son enseignement qui s'appelle la théologie du corps.
Et donc Alex Deschênes propose une vulgarisation, hein, au sens noble du mot, une vulgarisation de la théologie du corps à destination des jeunes. C'est un magnifique enseignement sur ce que c'est que le corps, la vie, la sexualité, parce que nous ne sommes pas pudibons, hein, nous ne sommes pas à la façon victorienne du 19e siècle, c'est pas de la pudibonderie, mais nous considérons au contraire que le corps et la personne humaine, nous visons la résurrection de nos propres corps, notre objectif final c'est la résurrection des corps, et donc nous considérons que le corps est quelque chose de très important. Le Christ, dans quelques jours, va venir dans notre chair, et donc nous ne sommes pas du tout des manichéens qui considèrent que le corps peut soit être domestiqué et piétiné, soit au contraire divinisé en quelque sorte. Voilà, très beau, très bel ouvrage. Tu es donc la théologie du corps pour les jeunes. C'est donc chez Artege. C'est un livre qui fait 240 pages et qui coûte 16,90 €. Voilà, sur ce, se termine notre émission. Dans quelques jours, c'est Noël. Très sainte fête de Noël à tous, à toutes vos familles. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.